un mode de vie peu stressant comparativement à ce que je peux observer dans la norme de nos jours? Est-ce que nos glandes surrénales peuvent être fatiguées, même si on ne se sent pas stressé? Okay, donc, vraiment bonne question. De nos jours, là, il y a beaucoup de personnes qui pensent aux sources de stress comme étant uniquement émotionnelles, puis ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs sources de stress possibles. Bien que quand on dit le mot stress actuellement, c'est un terme qui est tellement utilisé à la bonne franquette qu'on ne comprend pas totalement ce que ça veut dire. Mais les stress peuvent être physiques, comme littéralement un très gros entraînement sportif que la personne a vomi après ou est exténuée après. C'est pas ça qu'on recherche. Moi, du moins, en tout cas, c'est pas ça que je prône. On veut vraiment que suite à un entraînement, on se sente énergisé puis qu'on se sente bien. Okay? Donc, c'est possible de faire travailler nos muscles sans les surtaxer. Donc, c'est un des exemples au niveau physique. Ça peut être un traumatisme, un accident. Ça aussi, c'est une source de stress physique. Donc, la totalité, hein, de notre santé au niveau de nos glandes surrénales qui gèrent les différents stress. J'en ai déjà parlé le plus en profondeur des glandes surrénales dans la semaine de la santé en février dernier. Donc, si vous n'étiez pas là, vous pouvez aller revoir ces lives-là. J'avais très bien expliqué comment les surrénales fonctionnent. Mais c'est ça, c'est la surcharge de l'accumulation des stress physiques, des stress biochimiques ou chimiques en lien avec les toxines, l'alimentation et tout, ça rentre là-dedans. Le volet émotionnel rentre là-dedans aussi. Puis on peut aussi ajouter le volet thermique. Par exemple, ces derniers temps, il ventait vraiment beaucoup. Donc ça, à la longue, ça peut être un stresseur pour notre organisme. Ça peut être aussi lorsqu'il fait très froid. Ça peut être un stresseur, une chaleur, humidité très intense. Ça peut aussi jouer. Donc c'est vraiment l'accumulation de tous ces stress-là qu'on vit qui va faire une moyenne de stress et qui là, est-ce que nos glandes surrénales et notre corps en général est capable de s'adapter à ces stress-là, de gérer ça et surtout de revenir à un état plutôt neutre lorsqu'on se repose? Est-ce que la recharge, moi je vois vraiment ça comme des batteries, les glandes surrénales, est-ce que oui, d'avoir un certain stress une journée, ça c'est pas grave, mais est-ce qu'on laisse la chance à notre corps de recharger les glandes surrénales? Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. Puis d'ailleurs, la formation sur la créatrice de ta santé est exactement créée pour adresser chacune de ces sphères-là. Donc, par exemple, on va parler vraiment de toutes les possibilités en lien avec les stress physiques, les possibilités en lien avec les stress biochimiques, les possibilités en lien avec les stress émotionnels, puis c'est quoi les outils que chaque personne peut utiliser dans son quotidien pour dealer avec ça. Fait que c'est ça. Donc non, c'est pas uniquement les stress émotionnels ou le surmenage ou la surcharge mentale ou en lien avec plusieurs tâches à effectuer. C'est vraiment une somme. C'est global.